Chantal Montgaillard, Saint-Hubert, Québec, 1972. Une fillette de quatre ans disparaît de Saint-Hubert au Québec après avoir été laissée sans surveillance pour quelques minutes dans le camion de son père. On ne l'a jamais retrouvée. Le 4 juin 1972, Claude de Montgaillard, accompagné de sa fille Chantal quatre ans et de son garçon François deux ans, part de chez lui au 25 quarante de la savane à Richelieu pour aller chercher sa mère à Montréal. En route, il s'arrête vers quinze heures trente au vingt Saint Hubert chez Paul Chrétien, un ami, pour y rembourser une dette de dix dollars. Puisqu'il ne sera pas longtemps à l'intérieur, il laisse ses enfants dans la camionnette pour gagner du temps. Le père de famille reste quinze minutes chez son ami, Lorsqu'il revient à la camionnette, François est seul. Chantal n'est plus dans le véhicule. L'homme cherche pour sa fille un certain temps, et puisqu'il ne l'a pas trouvée nulle part, il alerte la police. Chantal a quatre ans et demi, mesure trois pieds six pouces, elle pèse trente livres et a les cheveux noirs frisés. Elle portait un pantalon à carreaux gris et brun et un gilet blanc. Chantal est décrite comme une petite fille qui fait confiance à tout le monde et qui parle aux étrangers, même si ses parents lui ont répété souvent de ne pas le faire. Après avoir été alertés, les policiers arrivent rapidement sur les lieux. Une recherche a été effectuée, plusieurs centaines de policiers et de bénévoles y ont participé. Cette recherche qui a duré toute la soirée et toute la nuit a couvert un périmètre de 26 000 carrés autour du lieu de la disparition. La fillette est introuvable. Pendant plusieurs jours, la recherche de Chantal continue avec plus d'effectifs. On utilisait des hélicoptères, des chiens pisteurs et des véhicules amphibies. Parmi les centaines de personnes mobilisées pour trouver la fillette, on trouvait des policiers, des bénévoles et de nombreux cols bleus de la ville de Montréal qui étaient alors en grève. Une recherche minutieuse a été faite. On a fouillé toutes les cours, les dessous de balcons, les niches à chiens, les petits bois et les fossés qui longent l'autoroute numéro 9 de Saint-Bruno jusqu'à Saint-Mille de Montréal. Tous les marais et les ruisseaux ont aussi été fouillés. Malgré toutes ces recherches, Chantal de Montgaillard reste introuvable. Certains témoins avaient rapporté avoir vu Chantal le soir de sa disparition. Une fillette correspondant à la description de Chantal avait été vue près des maisons en bordure de l'autoroute 9. D'autres fouilles avaient été effectuées dans le secteur, même si l'endroit avait déjà été fouillé. Une femme qui habitait la rue Cadère affirmait que ses enfants avaient joué avec une petite fille qu'ils ne connaissaient pas et qui avait dit s'appeler Chantal. À 6h30, la fillette était apparue de nulle part, avait joué 30 minutes avec elle avant d'être appelée par leur mère pour aller souper. Les policiers avaient rencontré les enfants et leur avaient présenté une photo de Chantal. Les deux enfants avaient reconnu Chantal sur la photo. D'autres recherches avaient été faites dans le secteur aussi. Des religieuses du couvent Sacré-Cœur avaient entendu vers minuit les pleurs d'un enfant dans la cimetière près du couvent. L'enfant semblait en panique et appelait son père en criant. Il est évident que les religieuses n'ont pas alerté la police tout de suite car les policiers l'auraient trouvé et nous serions pas ici pour parler de Chantal aujourd'hui. Les recherches pour retrouver Chantal ont été qualifiées la plus grosse recherche de toute l'histoire de Saint-Hubert à ce jour. Si la fillette n'a pas été retrouvée, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Certains secteurs ont été fouillés jusqu'à cinq ou six fois puisque la fillette a été vue ou que ces lieux étaient ceux que la fillette avait probablement emprunté. Les enquêteurs s'étaient rendus aux États-Unis après avoir reçu des informations à l'effet que Chantal avait été enlevée puis vendue à une riche famille américaine, cette piste n'a cependant rien donné de positif. Deux ans après la disparition, en 1974, les policiers ont organisé une recherche dans des champs après avoir reçu une information qui disait que le corps de Chantal pouvait y être trouvé. Encore là, aucune trace de la fillette. En 1975, le capitaine détective Steve Schaevock avait déclaré à la presse que si un jour le cadavre de Chantal est retrouvé, qu'il savait qui arrêter. Si la fillette était retrouvée en vie et était vendue à une autre famille, qu'il savait aussi qui arrêter. Les deux individus sur qui reposaient les soupçons ont été longuement interrogés après la disparition de Chantal, mais les enquêteurs n'ont jamais été en mesure de passer le stade des interrogatoires. Dans un article du journal L'Express de Drummondville du 12 août 2018 intitulé Mélanie dequin souvenirs douloureux et révélations inédites, on y apprend ceci. En août 1983, un homme de 24 ans, Michel Derry, est accusé de l'enlèvement et du meurtre d'une fillette de 6 ans dans un terrain de camping de Drummondville. Lors de son procès, Derry est déclaré inapte à subir son procès pour le meurtre de Mélanie Descamps et est envoyé à l'Institut Pinel de Montréal. Pendant la préparation du procès, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, Michel Baudouin et Jean-Paul Prince, ont rencontré Michel Derry à la prison de Sherbrooke. Les enquêteurs lui ont parlé de d'autres cas non résolus de la région et des environs. Une discussion amènera Derry à avouer que c'est lui qui a enlevé la petite fille de quatre ans alors qu'il était adolescent. Selon ce qu'il indique aux enquêteurs, le 4 juin 1972, il l'avait amenée dans un petit bois derrière l'église à Saint Hubert, l'avait attachée après un arbre, mais ne l'avait pas tuée selon ses dires. L'homme a donné une description et la couleur des petites culottes que portait Chantal cette journée-là. Cette information était exacte. Pourtant, la couleur des petites culottes n'avait pas été révélée au public. Quand l'enquête a été effectuée à l'époque, en 1972, les enquêteurs n'avaient pas rencontré Derry, car les parents de Derry étaient déménagés à Saint-Léonard d'Aston quelques jours plus tard. Il y avait bien un petit boisé à l'arrière de l'église de Saint-Hubert, mais ça a été déboisé pour construire des maisons. L'enquêteur Jean-Paul Prince dit en avoir parlé au procureur de la Couronne, mais le procureur lui aurait dit que comme Derry a été acquitté dans le cas du meurtre de Mélanie Descamps, ça n'aurait pas donné grand chose de l'accuser d'un autre meurtre. Et à part de sa déclaration et de sa connaissance des couleurs des sous-vêtements, il n'avait rien pour collaborer son histoire. Aujourd'hui, en 2019, Chantal aurait eu 49 ans ou 50 ans. Chantal est-elle morte comme le prétend Michel Derry? Est-elle morte aux mains de quelqu'un d'autre et enterrée quelque part? Ou est-elle vivante et vit dans une autre famille sans le savoir? Toute information pouvant aider à résoudre ce crime peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.